Ah, il y a un truc qu'on peut acheter aussi dans les trucs qu'on peut utiliser là, les petits objets. Ça s'appelle le bouclier, ça permet de bloquer les projectiles ennemis. Cool. Ah, ça devient compliqué. Je m'étouffe. Je vais bien, très bien. Nous perdîmes le monde entier. Ça va. On nous dit que pont cassé, on peut la refaire. Pont cassé. Si jamais t'as envie de chercher du bois. Cool. Gibier de jungle. Ah, voilà une quête qui va te plaire. T-Bone veut préparer un festin pour tous. Une arme munie d'une lunette est recommandée. Éliminer 30 animaux. Trouver 4 papayes et 4 fruits du dragon. Attends, une arme munie d'une lunette, je n'ai pas de lunette. Non, c'est pas obligatoire, ça c'est dans le lore. Hein. C'est pour, c'est pour faire genre, c'est de la chasse, tu vois. Ah, d'accord. L'objectif, c'est de buter les animaux et Non, parle des sérieux. et en secondaire, tu peux choper des fruits si tu veux. Du coup, sauf ça. Le régime vegan est un objectif secondaire dans ce jeu. On est vraiment dans un jeu qui respecte toutes les communautés. Hein. Oui, c'est la map où t'as les animaux qui respawnent tout le temps, là. Ah oui, attends, on chope d'abord les fruits peut-être. Ouais, chopons les coffres. Ah oui. Parce que je pense pas que ce soit les animaux qui nous filent des papayes. Ah mais non, mais même là, dans la nature, il y a des animaux. Dans la nature, il y a des animaux. Il y a des fruits sur les arbres. Ah les salauds. Petite papaye, petite papayou. Ah oui, et sur la carte, c'est des fruits qui sont montrés. Incroyable. Un jeu d'une richesse rare. Faut tuer des animaux. Observez le fruit du dragon dans son environnement naturel. Fruit dragon, fruit dragon. Plein de poils sur son écorce, il est dégueulasse. Personne ne l'aime. Ah bon? Mais non, le fruit du dragon qui attire bien entendu tous les esprits curieux, de par son caractère exotique et ses couleurs chatoyantes. Fatigue. Rejoignez-nous sur la chaîne Voyage. Une chaîne pleine de voyages. Cool, cool, cool. Alors que le ragondin a plume bleue. Tuez les animaux. Il y a un animal qui m'a frappé, mon gars. Quand j'ai touché, j'ai eu des dégâts. Victime. Je suis une victime. Victime des lapinous. Victime des capybaras. Où sont les bêtes? Mais les gars, ils apparaissent, ils disparaissent direct derrière. Ils savent comment le jeu fonctionne. Sur une chasse à la grenade. Je vais lancer des rations. Tu lances les grenades. Bam. Ah, y a vraiment un qui est plus doué que les autres hein, pour choper les trucs. Impressionnant. Moi j'ai buté un oiseau, j'ai rien eu. Mais putain, je niquais sa mère en lapinou là. C'est devenu très graphique. Excellent. Ça tue bien les lapinous. On leur a fait du mal. C'est vrai. Bon, maintenant qu'on a fait ça, c'est bon. On a recette gratuite à volonté. Ah bah là, ouais, bah j'espère bien. On n'a plus besoin de faire du mal aux animaux. Bah, nous, on a agi contre notre gré. Hein. Tout à fait. On a bien niqué les lapinous, mais c'était pas avec plaisir. Je crois que t'as passé beaucoup de temps sur ce ragondin. Bien. Bataille urbaine. Alors attention, c'est une mission qui est marquée en rouge avec un point d'exclamation à côté, donc prends peut-être une petite soupe avant d'y aller. Une petite soupe, ouais, j'ai pris une petite soupe. Petite soupe, ok. Un peloton de clos sillonnerait la ville en volant d'un raid mobile. Au volant, pardon, d'un raid mobile. Avec des documents ultra secrets. Capturez-le, il faut capturer le raid mobile. Ultra secret. Il faut les grenades, c'est impératif. Ah. Faut capturer le boss. Il faut des grenades choc. Des grenades choc. On capturait le boss, j'imagine qu'il clignotera en rouge comme la dernière fois. Ouais, attends, j'ai acheté une grenade choc. Un objectif secondaire, faut vaincre une vingtaine de méchants. On va se prendre une
Une grosse recette. Gigot d'agneau et papaye. On a pas peur. Et on est chaud. On est bon. On va capturer le raid mobile. Et comment on voit le truc qu'on a là, la tribu? Bah je sais pas. C'est intéressant de savoir ce qu'on gagne quand même. C'est vrai. On aimerait bien hein, parce que là on est tout émoustillé. Attends, je vais dans état. État? Est-ce que je vois ça dans état? Ah oui. Je vois pas ça dans état. Aptitude activée. Aptitude activée. Vitesse recharge 10%. Ah bah c'est bien. Et toi t'as quoi? Moi j'ai haché. Plus 3% efficacité. Voilà, je sais pas ce que je sais pas. Bravo. C'est des dégâts j'imagine. Bon, y a plein de trucs sur la carte parce que tous les ennemis sont dans l'objectif secondaire. Donc ne t'inquiète pas, on s'en fout. Parce qu'on a que 10 minutes hein, pour capturer Jean-Jacques. Ah oui. Déjà le temps qu'on le trouve. Donc yeah. Il faut trouver les arènes de boss. Merde. On a pas besoin des coffres vu que t'as déjà les grenades sur toi. Là on va gagner beaucoup de temps grâce à toi. Petite musique hein, en effet. Très sympathique. J'aime bien, mais... Ah oui hein, clairement. J'aime bien tout hein, pour le moment. Ouais. Enfin, mais là, c'est un peu répétitif mais Ouais c'est toujours les mêmes qu'on joue mais après bon elles suffisent à elles-mêmes j'ai envie de dire. Elles suffisent à elles-mêmes c'est vrai. Pour ce qu'on y fait. L'action aussi c'est toujours la même chose mais les archétypes sont assez intéressants. Puis le nouveau boss là c'est sympa. Avoir un gros boss qui arrive. Aïe. Et si cette mission est la dernière de l'arc où on est, ça aurait été plus court sur cet arc, donc plus vite de la nouveauté, quoi. C'est vrai. Et ça, on aime. Ouais, on aime. Donc y'a rien ici, c'est de la merde. On tente l'arène en dessous. C'est de la merde, ouais, d'accord. Je vote pour. On vote pour la rédac. Bam. Ah la puterie. Ouais. N'oublie pas d'esquiver en roulant. Oui. Si tu peux pas dévier avec ton sabre. Mon sabre, tu commences vraiment à avoir des techniques d'élite. Oui. C'est pas ici. Ah, pas de méchant. Comment c'est dans la merde hein. Je veux pas dramatiser mais N'aie pas peur. Mais c'est trop chaud C'est trop chaud hein, on me dit attends. C'est tellement c'est tellement sous tension que je vais mettre musique épique. Tout c'était promis. Ça c'est un bâtiment, ça peut nous aider. Putain, où sont les autres arènes? Ah putain. Bah il faut qu'on monte tout en haut. Si suis-moi compagnon. D'accord. J'ai une idée. Je suis. Ah oui, tu as utilisé le bâtiment pour monter. Tout à fait. Wow. Tout à fait. C'est génial. Waouh. C'est génial. Bon, je me suis un petit coup. Là on va. Ah non, ici. C'est toi qui as les grenades. Non, voilà. Ah bah oui. Comment ça on va là où tu es? Pourquoi t'es là? Ah oui, c'est bon, c'est bon endroit. Donc là, l'arène qui est à côté, on l'a déjà faite. Ouais. Mais on a un accès pour aller au-dessus. Exactement. Bien joué, ami de métal. Oui. Ami de métal. Bip boop, comme on dit chez toi. Bip boop. Ah, il me casse les couilles, celui-là. Oui, d'accord. Ah, il m'a eu. Oh non. J'ai utilisé une adrénaline. Bien joué. Faudra que j'en rachète. Heureusement que j'ai un ami dans mon camp qui en vend. C'est fait. Par ici, c'est le petit trickst. Je t'explique, on passe par la passerelle pour sauter sur la caisse. À chaque fois on le fait, à chaque fois on oublie. C'est vrai. Du coup, à chaque fois on le fait en retard. C'est ici. Aïe. Où est-ce que tu es, ami de métal? J'arrive. Merde. Oui. Ah, j'ai fait de la merde. Parce que moi, j'ai pas les grenades, hein, donc je vais lui enlever de la vie, hein, pour qu'il clignote en rouge, s'il fait comme l'autre qu'on a eu la dernière fois. À qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui t'arrive? Je sais qu'on pouvait lâcher des choses. Ah merde. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il a lancé une grenade sur moi. Non! Comment on fait pour lâcher un objet? Je sais pas, mon gars. Je sais pas. Aïe.
J'ai plus beaucoup de vie. Petite ration. Voilà, petite ration, ça fait du bien. Tant pis. J'y vais comme ça. Du feu de Dieu. Ah. Oh attention. Yeah. Attention à toi mon ami. Hey, clignote, il clignote. Vas-y mon gars, la grenade. La grenade. Ah. Bien joué. C'était pourtant si près. Ne bouge, ne meurs pas. Ok. Il me reste une grenade. Ah, il a fui, il a fui. Quoi? Il a fui, il est dans une autre arène. Oh, quelle pupute. Je vais sillonner les arènes. Sillonne donc. Je vais aussi reprendre un peu de vie. Mais... putain... voilà. Je me suis remis bien. Je vais le chercher. Bonjour. Bonjour. Il reste 4 minutes. Ah. Elle a l'air d'être là. Et il clignote déjà, ça c'est beau. Merde. Ça on aime. C'est bon, il est sur moi. Grenade, grenade, vas-y, tu l'as de dos. Oh, yeah. Oh bravo. Bravo. Putain, c'était chaud. Ah, t'as même capturé l'explosion quoi, c'est incroyable. Voilà, j'avoue. On capture tout. C'est un package. En plus, ça te va bien, hein, le robot qui envoie des trucs électromagnétiques là. Oh. Oh mon gars, on est passé caporal. Carrément. Non, caporal. Ah, il en restait 2 soldats tués, dommage. On a gagné 2400 boules. Du bon boulot, Kings. Un patrouilleur de Claw est un ingénieur clandestin transportant des schémas d'armes. Lawless et Ironside les analysent en ce moment même. Ah oui, nous allons savoir ce que Claw nous prépare. Un colonel et une partie du peloton a échappé aux Kings, je les ai retracés. Et ils se dirigent vers le plus grand immeuble de la ville, complexe A17. Colonel, vous devez envoyer les Kings au plus vite. Qu'est-ce qui se passe, docteur? C'est là où Dr. Neil et moi avons perfectionné les premières versions de la formule Mandrake. J'y ai caché un document ultra secret. C'est crucial que nous le retrouvions avant Claw. Nous en ferons notre priorité, docteur. 8-0, tracez-nous un chemin pour le complexe A17. Eh bien reçu, colonel. Pour s'y rendre, les Kings devront infiltrer l'avant-poste dans l'est de la ville. C'est une des plus grandes réserves de carburant. On a des chances d'y faire du grabuge, les amis. Très bien entendu, Zéro. Rendez-nous au complexe avant que Claw mette la main sur les plans. Incroyable. Incroyable. On est passé caporal, du coup, on va sûrement avoir plein de nouveaux trucs qu'on peut acheter et tout, là. Ah oh oui. Ça en même. Les armes. Petite adrénaline de racheter. On se reprend les rations. Tranquille, pépouze. Tranquille, pépouze. Alors, sur les armes. Qu'est-ce qu'on a de... c'est tout pour la session au niveau des missions, donc là on va passer un peu de temps dans la ville, hein, tranquille. Oui. Pour voir tout ce qu'on a débloqué. Maintenant qu'on est caporal, qu'on est des caporaux. Oui. C'est ça. Il faudra le caoutchouc pour passer au prochain stade de l'armure. Ah oui, j'ai pas acheté l'armure, tiens. Cool. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? On a Fatal en culasse. Il fait pas mal de dégâts. Oh, il s'est sauvé un 7. Sauve-le. Et dégâts de feu. C'est pas mal, Fatal. Sympathique, on aime. Bah oui. Doringer, Tommy Gun. Black Thorn. Sur du 866, hein. C'est pas mal. Ça fait des dégâts. C'est pas mal. C'est pas mal. Ah, il y a Pyromane, il y a un truc de lance-flamme apparemment. Oh. Je sais pas, il y a marqué Pyromane. Scanner. Intercepteur K9. Mais il y a beaucoup de trucs en plus là, c'est ouf. Il y a un truc, c'est un trombone, mon gars. Oui, j'ai vu. J'ai assez pour l'acheter. Il fait mal. Il fait mal. Sanglier sauvage.
Pardon ? En accuracy, il est chaud quand même. Il fait pas. En accuracy, c'est vrai qu'il est un peu dégueulasse. C'est quoi, c'est un shotgun ? Ah ouais, sûrement, ouais. C'est un peu ton truc, les shotguns, en même temps. Oui. Un peu ta grande passion. Oui. Blackthorn, ça a l'air pas mal. Donc si la cuirassie baisse un petit peu... Ah, j'avoue. C'est bien sympathique. Hein. C'est fort sympathique, tu sais. On aime beaucoup. Papa, papa, papa. Ça c'est pas mal ça. Pas mal, mais j'ai pas les. Les nouveaux trucs, par contre, il faut beaucoup de matériaux qu'on n'a pas encore, qu'on aura sûrement dans la nouvelle zone. Ouais, ouais. Ça, là, on se chauffe, mais. À part le trombone, on va pas faire grand chose, quoi. J'ai un trombone qui fait des balles de feu, alors s'il te plaît, tu te calmes. Ah! Voilà. Hein. Ok. Ouais. C'est ça qui manque. Et les nouveaux types de balles aussi. Ouais. Ah, c'est beau ça. Ah, je vais pouvoir avoir des balles de Magnum élémentaires. C'est mon moment. Mais j'ai pas tous les ingrédients, malheureusement. Bon, bah, ok, j'ai pu faire du lagitrine et baver devant, c'était super. C'est cool. Petit ressort à l'âme. On parle pas de la chanteuse, hein. Oh, ce trombone! Oh, Max, c'est un gros shotgun. Ah oui. Oh là là, à de près, ça fait des dégâts de monstre. Tu fais combien? Je sais pas, il y en a plein en fait. Et c'est plein de fois combien le chiffre? C'est quel chiffre? Le plus petit c'est 5 et le plus gros c'est 92. Et ben, si tu t'éloignes, il va falloir voir les balles. Et à 102. T'as 3. Ouais, t'as 7-8 balles. Ah, oh, plus. Ah, au moins 5 ans. On l'a perdu. Je crois qu'on a une douzaine. On a une nouvelle modification, non? Oui, on a une nouvelle modification aussi. La calculatrice. Calculer l'énergie de vos adversaires. Ok. Qu'est-ce que c'est? Ah, ça affiche l'énergie de l'ennemi. Et l'icône du boss est toujours visible sur la carte. C'est trop bien. Ah ouais, j'avoue. Ça permet de voir les barres de vie et tout, là. Et d'arrêter de chercher les boss partout. Le truc riche. Augmente les récompenses de fin de mission. Les vraies richesses demeurent en nous. C'est pas mal, ouais. Ah, il y a mitrailleur, ça augmente la capacité du chargeur d'une balle. 0,2% des chances que deux balles soient tirées en même temps en enlevant qu'une dans le chargeur. Donc c'était une balle gratuite en plus. Cool. Et par contre, ça réduit l'impact élémentaire de 0,5%. C'est cool. Oh, je prends la riche. Riche? Ah oui. Ouais. Et du coup, par contre, on va avoir moins de chances d'avoir des matériaux rares sur les ennemis. Ah, merde. Problème. Mais je pourrais switcher. C'est un problème pour toi l'argent? Ouais, non? Je sais pas, moi je suis enlevé, hein. Je suis à 1500 là actuellement. C'est tous les matériaux qui me manquent, quoi, mais. Bah, du coup, je fais l'inverse alors. Ah ouais, moi c'est les matériaux, mais après je sais pas, ça va dépendre de est-ce que c'est des matériaux rares ou pas pour la prochaine zone. Genre du chrome, de l'acier... Parce que là j'ai mis amasseur du coup, et amasseur ça fait que... les ennemis tués donnent toujours des matériaux, mais du coup c'est des matériaux moins rares. J'enlève aussi,
Ouais, je pense. Hein. Ah. Non ? Ok. Non, j'entends. Pas, nous, on veut les matériaux rares aussi, non ? Oui, on veut tout. On veut la folie. Avec un peu de chance, les prochaines missions feront encore plus de thunes qu'avant, donc... Ouais, alors je vais prendre l'attribut chanceux, c'est pour faire l'inverse. Ça donne plus de matériaux rares, et par contre on a un peu moins d'argent à la fin. Ok. Ouais, c'est 800 et 800 la thune qu'on va gagner après. Comme chose qu'avant en fait. Ok. 800 et 800, bah. Bon... si on se dit qu'on économise un peu, on achète que des items, et après on améliore nos armes, ça devrait le faire, non? Oui. Donc là on va avoir que des matériaux rares. Non, on va avoir tout. Tout? C'est bien ça, c'est bien. Parce que vu que c'est une nouvelle zone, on va sûrement avoir besoin des matériaux courants aussi. Ouais. Mais ça c'est la beauté. Bah... ah ça te va bien ça. J'avoue. En plus ça fait de la musique, t'entends la musique? Mais oui. Bibi, pom pom. Ah, je sais pas encore ce que je vais prendre comme... T'as pris tout trombone du coup? Pas tout, parce que j'ai pas ces matériaux, mais je crois que c'est pas mal, ouais. J'aimerais bien pouvoir voir le... Enfin, pouvoir voir le... Comment dire? La combinaison de mes potes pour les armes. Ouais. Ça serait sympa. Moi, je sais pas encore ce que je vais prendre. Peut-être le Blackthorn. Oh, tu l'apprends. Ah ouais, tu... J'ai pas encore les matériaux pour, mais... je compte prendre un... En termes d'identité de l'arme principale, et puis après brancher des trucs marrons dessus, quoi. Mais ça me semble pas mal. C'est un peu moins d'accuracy, mais peut-être moyen que ça fasse des trucs cool. Okay. Ça remonte les dégâts sur certains trucs en plus. Oh, ça me paraît pas mal. Par contre, j'aurais peut-être plus le même type de balle, du coup, mais bon. Ça nous aura l'occasion d'essayer quelque chose d'autre. Mais oui. Mais il faut qu'on récupère des matériaux pour ça. Je t'attends. On verra. Bah non, on va arrêter la session ici. Ah on a bon déjà dépassé de 22 minutes le temps de la session. Oh mince. Eh oui. Ah, le temps passe vite quand on s'amuse. Diantre. Et on espère que ça vous a plu. On se retrouve pour la suite. Mercenary Kings, avec l'ami Dridri dès que possible. Oui. À savoir demain. Enfin, demain oui. Pour nous, mais pour vous, c'est dans 2 jours, du coup. Et oui. C'est un épisode tous les 2 jours. Faut abuser des bonnes choses. C'est ça. Et d'ici là, bye. Amusez-vous bien. Au revoir. Bisous. Au revoir.